Or, bien entendu, une équipe de Biélorussie très prometteuse compte tenu du potentiel de ses gymnastes. C'est parti. La première diagonale. Aïe, 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 aïe. Elle est tombée tout de suite après Vrisalto arrière carpé. Ça, c'est le manque d'expérience qui est en train de faire défaut. On l'a vu avec Olga Yurkina à la poutre. Et là, cette chute d'Alena Poloskova. Deuxième diagonale en avant. Salto avant tendu avec une vrille, tout de suite enchaîné avec salto avant. Vrille et demi, rondade flip, double vrille et demi. C'est une belle diagonale. Très difficile pour réaliser. Troisième diagonale, double vrille et demi. Un des problèmes manifestes de concentration pour la Biélorusse Alena Poloskova qui a chuté après sa première diagonale. Deux déséquilibres flagrants après par la suite dans son programme. C'est dommage. C'est ça, double vrille et demi.